Bonjour chérie. Bonjour chérie. Mais ton parapluie? J'ai dû l'oublier. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus toute ta tête, mon chéri? On dirait, oui. Qu'est-ce que t'es distrait en ce moment? C'était quoi la dernière fois? Des clés? Bon, allez, on va être en retard. Bonne journée, ma chérie. Bonne journée, mon chéri. Bonjour. Bonjour. Brrr, quel temps. Oui, mais grâce à ça, j'ai pu tester ma nouvelle acquisition. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Bah allez, dis-le nous. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est juste un parapluie. Ah non, je t'arrête tout de suite, c'est pas un parapluie. C'est un aquaprotect. Qu'est-ce que ça a de différent d'un parapluie? Rien à voir, il est doté de capteurs sensitifs. Ça sera quoi un capteur sensitif? Démonstration. Ça alors, il s'ouvre tout seul. C'est comme un parapluie, mais intelligent. Exactement. Mais c'est nouveau, ça vient de sortir. Mais oui, depuis hier seulement. Attends, je me suis levé à 5h ce matin pour aller en acheter. On était au moins 500 à faire la queue devant le magasin. Et je te raconte pas la bousculade quand ils ont ouvert les portes. Hein. Bon, j'ai un petit peu raqué quand même. Hein. Mais j'en ai eu un. Hein. J'irai l'acheter ce soir. Moi aussi. Thank you.
Allô? L'avantage de ce club, c'est qu'au moins on mange comme chez nous. Pas de nourriture locale avec des spécialités dont on ne sait même pas d'où les aliments proviennent et comment ils sont stérilisés. Enfin, s'ils le sont. En plus, ils ont vraiment tout prévu. Dès ton arrivée à l'hôtel, tu peux acheter un kit d'artisanat local. Comme ça, au moins, t'es tout de suite débarrassé du problème des cadeaux. T'as même plus besoin de sortir du club. Top, c'est super. Ça va, Dorieux? Bah, vous avez entendu? Tu m'as entendu quoi? T'as pas entendu un grand bruit, là, il y a deux secondes? Bah non, il n'y a pas eu de bruit particulier. C'est bizarre, quand même. J'étais pourtant persuadé. Pour Yvette. Pour Yvette. T'as quand même pas oublié qu'elle part en retraite à la fin du mois? Non. Non, non. Bien sûr que non. Ça va? Ouais. T'as entendu? T'es sûr ça va, Durieux? T'as rien entendu? Un grand bruit, comme un grincement métallique. Non. Je suis sans doute un peu fatigué, voilà tout. Je te laisse. Ça va? Ça ne va pas, chérie? Je comprends pas ce qui m'arrive. Tout va de travers depuis ce matin. Ça m'est jamais arrivé, un truc pareil. Oh. Ah oui? Excuse-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Je sais pas. Parfois, j'oublie des choses, alors qu'avant, ça m'arrivait jamais. T'as bien vu encore ce matin avec le parapluie. Et puis, j'entends un drôle de bruit au bureau.
Je comprends pas ce que c'est. Je suis sûre que tu en fais trop en ce moment. C'est le surmenage qui te met dans cet état. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait refaire le salon. Le nôtre est complètement dépassé. Regarde ce qu'ils font en ce moment. Bon, on reparle de tout ça ce week-end. Pour l'instant, tu vas manger et après, au lit. Tu verras demain, après une bonne nuit de sommeil, ça ira bien mieux. Ouais. Bonjour chérie. Bonjour. Bonjour, Durieux. Il est 9h20. Bonjour. Bah, t'es tombé du lit ou quoi? T'as vu ta tête? Mais t'en fais une tête. Mais tu vas bien? Eh oui, ça va. Excusez-moi. C'est que... j'ai du travail. Un courrier au service. Ah! Allez, mon vieux, reprends-toi. Tout ça, c'est dans ta tête.
maman. Il est derrière pour la caisse, il avait peine dans son assiette. Si ça se trouve, il est drogué. C'est horrible. Ah, tu vas seulement rentrer te reposer chez toi et tu vas voir, ça va beaucoup mieux. Ferme ta sale carcasse rognée, espèce de monstre. Bande de sales machines. Bande de sales machines. Allez au diable. Qu'est-ce que j'ai honte. Je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Mais non, mais t'en fais pas, mon vieux, ça va aller. On vous amène Durieux. Il y va très bien aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. On va bien s'occuper de lui. Bonjour. Alors, il paraît que ça ne va pas très fort aujourd'hui, monsieur Durieux. Durieux, c'est ça. Matricule 132-342B. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Durieux ? Eh bien, disons que je suis victime de... Oui, vous êtes victime de... D'hallucination. Je suis victime d'hallucination depuis 2 jours. Et j'ai des petites absences aussi. Des hallucinations, dites-vous ? Soyez plus précis, monsieur Durieux, s'il vous plaît. Ça va vous paraître fou, mais... J'entends des bruits bizarres. Des bruits bizarres ? Quel genre de bruits bizarres ? Des bruits affreux. Comme des morceaux de tôle qu'on plierait et qui grincent très fort. Et puis, aussi... Oui ? Je vois mes collègues se transformer en robots. Oh mon Dieu, j'en suis un outil. Allons, allons. Un robot. Monsieur Durieux, il ne faut pas se mettre dans des états pareils. C'est grave, hein ? Non, ce n'est pas grave, monsieur Durieux, juste un petit peu de surmenage. Je vais vous prescrire quelques calmants, vous allez tranquillement rentrer chez vous avec votre femme qui va très bien s'occuper de vous. Vous croyez ? Tout à fait, monsieur Durieux. Ne vous inquiétez pas, ça va se régler très très vite, croyez-moi. Au revoir, monsieur Durieux. Docteur ? Ouvrez-moi ! Docteur ! Ouvrez-moi ! Encore un. Dommage. Bah, on finit par s'y faire après tout. Quand leur programme commence à s'effacer, il n'y a vraiment plus rien à faire.